De téléphone. Na palais de la nation, na place mausolée, il y a musée Laurent Désiré Kabila Oyo Azali, moko ya ba libérateur ya République démocratique du Congo, pour ngolo na biso na régime, autres ayi na ngo ya mobutisme, oyé géré biso pendant 32 ans. Certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est ne jamais trahir le Congo. Donc ne jamais trahir le Congo hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde. Tozabongo, na palais de la nation, na place mausolée, y a musée Laurent Désiré Kabila Oyo Azali, moko ya ba libérateur ya République démocratique du Congo, pour ngolo ngolo biso na régime, autres ayi na ngo ya mobutisme, oyé géré biso pendant 32 ans, y a opposition, c'est pour cela, le jour du 16 janvier, et comment ngolo la date moko ya commémorer Luana ye. Il y a un membre du gouvernement. Tout à l'heure, déjà, il y a eu la présence du Premier ministre Sam Lukonde, le numéro 1 de tous les Warriors. OPAE, Bongoko, déposé, Flair Naye, pour nous rendre honneur à Musée Laurent Désiré Kabila. Il y a... Bye.
Saint-Esprit au charge. Les frères Poitiers. Juste un seul message. Les nations doivent savoir reconnaître qui ont fait leur histoire. Musée Laurent Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Merci. Tozabongo, na Palais de la Nation, na Place Mausolée, y a Musée Laurent Désiré Kabila Oyo Azali, Moko et Aba Libérateur, y a République démocratique du Congo, pour n'agonomo la biso na régime, autres aïe n'ango y a Mobutisme, Oye Jira biso pendant 32 ans, y a opposition, c'est pour cela, le jour du 16 janvier, et comment la date Moko y a commémoré Luanaye. Il y a un membre du gouvernement. Tout à l'heure, déjà, il y a eu la présence du Premier ministre Sam Lukonde, le numéro 1 de tous les warriors. Il a déposé fleur pour rendre honneur à Musée Laurent Désiré Kabila. Il y a...
un seul message. Les nations doivent savoir reconnaître qui ont fait leur histoire. Musée Laurent Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.